nous allons lire à partir du verset 26. And we're going to read from the verse 26. Luc 17. Luke 17. 26. 26. Amen. Amen. La Bible dit. The Bible says. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé. Excusez-moi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Just as it was the day of Noah, so also will it be in the day of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day of Lot left Sodom, fire and sulfur ran down from the heaven and destroyed them all. It will be just like this the day of the Son of the Man is revealed. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 11. Revelation chapter 11. Nous allons du premier verset au troisième. La Bible dit. We're going from the first to the third. Apocalypse chapitre 11. Revelation chapter 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. I was given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. There are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouth and devour their enemies. That is how anyone who wants to be harmed must die.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, God Almighty, our Heavenly Father, nous t'appelons encore ce soir au milieu de nous. We call unto you tonight in the midst of us. Et placez cette parole dans le cœur de tes enfants. Hold the word into the heart of the children. Et donne à chacun la révélation de la parole qui est prêchée. And give to each revelation of the word. Et amène-nous, Seigneur Dieu, à vivre la parole. Take us, Lord God, to leave the world. Pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. So we not fall into the trigger of the enemy. Tu as dit que la parole est une lumière sur nos pieds. You say the word is a light under our feet. Alors dirige-nous, Seigneur Jésus. So direct us, Lord Jesus. Sois une bénédiction pour chacun de nous. Be a blessing for each of us. Je vous en prie de bénir, de protéger tous les frères de cette église qui sont à l'étranger. I'm begging you to protect all the brothers abroad. Et ceux qui ne soutiennent pas la prière et les sœurs. Those who stand into the prayer, the sister. Dans tous les pays, Seigneur, où tes enfants sont partis, in all the country where your children went, qu'ils soient protégés. Let them be protected. N'oublie pas Ali et son épouse. Do not forget Brother Ali and his wife. Gardez-les en paix et protégez-les au nom de Jésus-Christ. Keep him in peace and protect him in the name of Jesus Christ. Et prie aussi pour tous les frères et sœurs. We pray for all the brothers and the sisters. Qui soutiennent ce ministère que tu m'as donné. Support the ministry given to me. Par les dîmes, par les offrandes, par les dons. To the time offering and the gift. Seigneur, ouvre-les les oreilles du ciel. Lord, open up the ears of the heaven. Et la grâce de Dieu soit avec eux. And so we remain with them. Et remplis-les du Saint-Esprit. For them with the Holy Ghost. Amène chacun à la nouvelle naissance. Take each to the new birth. Et je veux que tu gagnes le ciel. And why not to win the world? Que chacun reçoive le ciel au nom de Jésus-Christ. And each receive the heaven in Jesus Christ's name. Et qu'il parvienne. And let me reach. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bonsoir. You may see. Ceux qui sont dehors, peuvent entrer. Those outside may enter. Je voulais saluer mon frère. My brother, my brother. Ça fait longtemps. Longtemps. Depuis quelques temps. Since Wednesday. Merci beaucoup. Thank you very much. Ceux qui sont dehors, peuvent entrer. Avancez, s'il vous plaît. Those outside may enter. On les cherche devant là. Come forth, there is some empty spot. Vous voulez de rester derrière là. Instead of being in the back. Merci. Thank you. Nous sommes en train d'enseigner sur les sujets importants de la Bible. We are teaching upon important topic of the Bible. Nous allons parler de la semaine de Daniel. We talk about the 70 weeks of Daniel. Et la 70e semaine nous a vraiment fait du bien. And the 70th week make us good. Et c'est comme si la 70e semaine englobe presque tout ce que nous sommes en train de parler maintenant jusqu'au millénium. It's like the 70th week including everything we're talking until the millennium. Et je crois que c'est certain. And I believe it's certain. Ne négligez pas ce que la Bible nous donne. Do not neglect what the Bible gives to us. Amen. Amen. Donc après avoir parlé sur les 70 semaines de Daniel, after talking about the 70 weeks of Daniel, nous avions abordé le sujet sur les 7 trompettes. We talked on the topic about the 7 trumpets. Et après les 7 trompettes, and after the 7 trumpets, nous sommes sur la grande tribulation. We are upon the great tribulation. Tellement que c'est profond et c'est large, it's so deep and wide. Il nous sera difficile de parler tout. Will be difficult to talk about everything. Mais je sais une chose, il y a des brochures, il y a des bandes. I know one thing, there is a booklet and a band. Et cela peut faire un complément sur l'enseignement. And it can be a complement upon the teaching. Et je crois que ce que je vous apporte est fidèle à ce que le prophète a prêché. And I believe what I'm bringing unto you is faithful to what the prophet preached. Et vous avez le droit de vérifier. And you have the right to check upon. Et vous trouvez que c'est sur la ligne prophétique. You'll find it on the line of the prophet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Je pensais que beaucoup de gens devraient être là à l'église. I thought our people would be here in the church. Il y a des choses qu'on ne doit pas négliger, mes amis. There are things you not neglect, my friend. Les gens devraient être là pour écouter. People can be there to listen to. Parce que les enseignants qui nous préparent à quelque chose. Those the teaching prepare us for something. Tous ceux qui ne seront pas enlevés passeront par la grande tribulation. All who will be loved will undergo the great tribulation. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas de nouveau, passeront par la grande tribulation. Those who know Holy Ghost from born again will undergo the great tribulation. Et je vais montrer ici les catégories de gens qui vont passer par la grande tribulation. And I'm going to show you here the kind of people undergo the great tribulation. Donc, c'est très important.
ce que nous venons de lire. So it's very important what we just read. Amen. Amen. Mais avant d'entrer dans le sujet, nous lisons le prophète, parce que c'est lui la bouche autorisée. Entering into the topic, we read the prophet because it's authorized by. Dans la brochure, l'Église arrivera-t-elle avant la tribulation? Into the booklet, the church will live before the tribulation. Prêché le dimanche mars 1958 soir. Prêché le Sunday March 1953 evening. Frère Branham dit. Pope Branham said. Au paragraphe 19. To the paragraph 19. Eh bien. Well. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction de temps, il envoie toujours la miséricorde. God, before doing each time, before the junction of time, send for us mercy. Dieu, God, avant de faire quoi que ce soit, before doing whatever, à chaque jonction du temps, to each junction of time, il envoie toujours la miséricorde. Always send the mercy first. Un ange, an angel, un prophète, a prophet, un message. A message. Donc, vous pouvez comprendre, mes amis. So you can understand, my friend. La miséricorde pour un ange, la miséricorde à la jonction de temps. That the mercy for an age, the mercy at the junction of time. C'est un prophète. It's a prophet. C'est un ange. It's an angel. C'est un message. It's a message. Un messager. A messenger, son message, his message, un ange, an angel. L'ange dont frère Branham parle ici, c'est le messager de l'âge. The angel one brother Branham talking here is the messenger of the age. Il est la miséricorde de Dieu pour le peuple. He is the mercy of God for the people. Vous rejetez l'ange. You rejected the angel. Vous rejetez le messager. You rejected the messenger. Vous rejetez son message. You rejected his message. Vous êtes mort. You are dead. Amen. Amen. Si c'est vrai, dites amen. If it's true, then say amen. Il faut maintenant continuer. And Brother Brown, move on. Et c'est pendant comme toujours. And how will it be? Le tout est rejeté avec un mépris. The whole get rejected with a pride. Avant qu'un événement grand n'arrive sur la terre. Before a great event can occur on earth. Avant qu'un jugement n'arrive sur la terre. Before a judgment can reach on earth. Dieu envoie toujours la miséricorde. God always send the mercy. La miséricorde de Dieu pour sauver les gens dans les générations avant que Dieu ne frappe. And the mercy of God to save people in a nation before he strikes. C'est un ange. It's an angel. C'est un prophète. It's a prophet. C'est un message. It's a message. Si vous recevez le message, if you receive the message, vous rentrez dans la protection. You enter into protection. Vous rentrez à Goshen. You enter into Goshen. Vous rentrez en sécurité. You enter into security. Mais si vous rejetez le message, if you reject the message, vous rejetez le messager. You reject the messenger. C'est fini. It's over. Amen. Amen. Et Frère Branham dit. And Brother Branham said. Et c'est pendant comme toujours. As is always with, le tout est rejeté avec mépris. The whole being rejected with pride. L'Église ne veut pas recevoir cela. The church doesn't want to receive it. Et nous bénissons le Seigneur. And we do bless the Lord. Parce que le message qui vient dans un âge. For the message coming into the age. Ne vient pas pour tout le monde. Doesn't come from all the world. Ne vient que pour un groupe de gens. Comes only for a group of persons. Ne vient que pour ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. You can sleep with someone. Le message vous est parvenu. The message reached to you. Peut-être sous forme de brochure. You can maybe upon the form of the booklet. Bien quelqu'un qui vous a parlé. I just someone talking to you. Toi tu t'intéresses. You get interested. Et lui ne s'intéresse pas. And he's not. Mais si on prouve ça comment? If I prove the what we can. Toi tu vas croire. You gonna believe. Mais les autres ne croient pas. The other won't. Ce n'est pas destiné pour eux. It's not fated for them. C'est destiné pour toi. It's fated for you. Les autres vont rejeter. You're going to be attracted by the message. C'est that's why Brother Branham said. Ce message est venu pour un
The message called to call upon the elected. C'est un temps de proclamation de nom. It's a time of calling on name. Si votre nom n'est pas là-bas, if your name is not there, si ton nom n'était pas dans le livre avant la fondation du monde, if your name was not into the book before the foundation of the world, même si on proclame le message, even if you call on the message, tu ne croiras pas. You won't believe. Parce qu'en toi, il n'y a pas quelque chose qui doit t'attirer. Because in you, there is nothing going to draw you. Mais lui, but an elected, un prédestiné, a predestined, entendra la voix du maître. We heard the voice of the master. And we follow the master. Même si le message est dur. Even if the message is tough. Même si le message vous déplie. Even if the message lasts long. Vous arrache les doigts. I'll wrap you on the right. Tu suivras le message. We'll follow the message. Jusqu'au bout. Until the very end. Et je vais vous dire aujourd'hui. And I shall tell you today. Que la récompense est donnée au vainqueur à la fin du combat. C'est lui qui veut croire. It's one who overcome. Recevra. Will receive. Amen. Dites amen. Don't you say amen? Frère Branham dit dans la brochure, hâte-toi de te sauver là. What the Bible says into the book, let hurry up to save thyself. Prêcher le dimanche février 52. Prêche en son de février 1962. Paragraphe 51, Frère Branham dit. Paragraph 51, what the Branham say. Et j'aimerais que vous remarquiez que. And I would like you to notice that. Lors de la sortie des enfants d'Israël. During the coming out of the children of Israel. Ils se dépassaient un long temps, des centaines d'années. And they spent a long time, century, years. Rien ne s'était passé. Nothing happened. Il n'y avait pas de surnaturel depuis la mort de Joseph. No supernatural since Joseph's death. Qui était un type de Christ. Was being a type of Christ. Mais juste avant que le jugement frappe l'Égypte. But before the judgment struck Egypt. Lorsque Dieu a fait sortir son église. When God had his church get out, il y avait un message. They have one message. Un prophète. One prophet était apparu. Appeared. Les anges. The angels sont apparus. Appeared. Des signes surnaturels. And the supernatural signs. Se sont apparus. Appeared. Et les enfants de Dieu. And the sons of God sont entrés à Goshen. Enter into Goshen. Où ils étaient gardés des fléaux. Avant leur sortie. When they have spared the fleet before they going out. Israël est en Égypte. Israel is in Egypt. Et depuis le départ de Joseph, il n'y avait pas de surnaturel. And since Joseph's time has no supernatural anymore. Un jour, Dieu s'est souvenu d'Israël. One day God remembered of Israel. Alors qu'ils sont dans le pays de l'Égypte. Though they were into the Egypt country. Dieu leur envoya un prophète. God sent them a prophet. Mais ce n'était pas le prophète. Prophète. There was not any prophet. Un prophète. Un prophète est apparu. Prophet appeared. Les anges sont apparus. The angel also. Les signes surnaturels se sont produits. The supernatural signs. Et les enfants d'Israël, les enfants de Dieu sont entrés à Goshen. And the Israel, the sons of God, entered into Goshen. Donc avant chaque jugement sur la terre. So before each judgment upon the earth. Il y a toujours un endroit que Dieu a préparé pour ses enfants. Always has a place God prepared for His sons. Dieu. If there is no outcome, du salut, of salvation, de la délivrance, of the delivery, pour le peuple, for the people, ta main, don't you say amen? Il doit y avoir un endroit de miséricorde. It shall have a place of mercy. Afin que ceux qui écoutent le message, so those who listen to the message, ceux qui écoutent le message, those who listen to the message, soient préservés, be preserved, soient gardés, be kept, du danger, of the danger. C'est pourquoi au temps de l'Égypte. That's why to the Egyptian. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Dieu a prévu Goshen. God prepared Goshen. C'est pourquoi au temps de Noé. That's why Noah time. Dieu a prévu l'arche. God provided the ark. Dites amen. Don't you say amen? Pour que ceux qui entrent là-bas, so those enter inside, soient en paix, be in peace, soient en sécurité, be into security. Mais regardez le cas de l'Égypte comme Frère Branham l'a dit. But look onto the case of Egypt, like Brother Branham said. Dieu était pour le juger la terre. God was being judged in the earth. Dieu était en train de frapper.
nations. God's been striking and tending the Egyptians. Parce que l'Égypte était un pays de nations. Was Egypt was a country of the Gentiles. Seul, only, ceux qui étaient gauchers. Those who were in Goshen étaient sous le sang. They under the blue. Étaient en sécurité. They in security. Je voulais vous dire quelque chose d'autre, peut-être que vous ne connaissez pas. And I want to tell you something else you may not know. Les enfants d'Israël étaient éparpillés à Goshen. The Israel being spread out in Goshen. Mais quand il y avait le rassemblement, when one guy the gathering, et que la trompette sonnait, and the trumpet sounded, tout le monde quittait sa maison. Everybody leave his home. Pour venir autour de Moïse. To get to the western point, Moses. Parce que Dieu veut parler. God's God will be. Ce sont les gens qui ont reconnu le ministère de Moïse. Now the people who recognize Moses' ministry. Tu en étais épargné. All being spared. Malgré Goshen. Despite Goshen. Il y avait des chants aux enfants d'Israël. They had the people in Israel. Comme Coré et Tata. As Coré et Tata. Des plaqueurs. The junkers. Les chants qui faisaient ça pour remplir les bains. They were calling to full of the church. Mais dans leur cœur, il n'y a rien de Dieu. But into the heart, there is nothing from God. Des impressionnistes. Only impressionist one. Mais à l'intérieur. But inside. Il n'y a rien de Dieu. There is nothing from God. Des plaqueurs. Joker. Comme Isaïe. As Isaïe. Des plaqueurs. Joker. Comme Coré et Tata. As Coré et Tata. Et ils sont là. They were there. Pour combattre le message. To fight the message. Pour combattre le messager. To fight the messenger. Vous ne pouvez pas vaincre. You cannot overcome. Le message c'est Dieu. The message is God. Le messager c'est celui que Dieu tient dans sa main. The messenger is what God holding into his hand. Vous ne pouvez pas vaincre un messager. You cannot overcome the messenger. God holding his hand. Ce soir, je vais vous montrer. And tonight I'm going to show you. Il n'y a aucun message sur la terre. There is no message on earth. Aucun homme sur la terre. No man on earth. Ne peut faire que le message sur la terre. Can overcome the message. Même si vous avez des diplômes. If only you have a diploma. De théologie. Theology. Devant ce message. In front of this message. Tu seras vaincu. You will be overcome. Parce que ce message. This life of God itself. On ne peut pas faire ça. We cannot overcome it. Madame dit, but the Branham said, vous ne pouvez pas vaincre le message. You cannot overcome the message. Jamais. Never. Et nous allons voir ça. And we're gonna see it. Oh là là. Oh my. J'ai été vraiment emporté dans la révélation. I've been carried away into revelation. Depuis ce matin quand je lisais. Since this morning when I read. Vous allez vous serez bénis, frère. You're gonna be blessed, brother. Je vais d'abord entendre vos rugissements pour que quelqu'un dit amen dans ça. Hallelujah to rise and say amen to it. La grande tribulation. The great tribulation. Ça fait peur à ceux qui vivent mal. Frighten those who live badly. Mais ça réjouit les élus. But we change elected. Il faut que la tribulation soit là. Tribulation has to be there. Afin que Dieu fasse la différence. So God makes a difference. Entre ceux qui l'ont servi dans la sincérité. Et cette chose hypocrisie. And not to play hypocrisy. L'enlèvement, the rapture, tracera, withdraw, fera la différence. Or makes the difference. Entre les vrais frères, between the true brothers, et les faux frères. And the false ones. Là vous êtes si nommé, je ne connais pas qui vous êtes. I don't know who you are, I don't know who you are. Mais le jour du départ. Dieu et God, si vous êtes vraiment sincère, if you are truly honest, un vrai chrétien, a true Christian, Dieu doit prouver ici sur la terre, let you prove in the world, en vous donnant le baptême du Saint-Esprit, by giving you the baptism of the Holy Ghost, si vous êtes vraiment un élu, if you are truly elect, et que vous serez dans le mort, and you come to the rapture, je dis bien maintenant, I shall wait now, je dis bien à ce jour, I shall wait to this day, je dis bien aujourd'hui. If you not have the Holy Ghost, vous ne lui appartenez pas. You do not belong to him. Aïe, aïe. Oh my. C'est fort. It's tough. Et pourtant c'est la vérité. No, it is the truth. C'est pourquoi frère. That's why, brother. Notre Seigneur Jésus. Our Lord Jesus. La parole. The word. Il opère la parole. And the hope of the world. Quand il était sur la terre. When he was upon the earth. Dans
il se référait à quelque chose. And he referred to something. Le très important qui s'est passé sur la terre. A very important to happen on earth. C'est pourquoi aujourd'hui, mes amis. That's why today, my friend. Avant que nous puissions parler sur la grande tribulation. Before we speak upon the great tribulation. Il y a eu des tribulations sur la terre. We had tribulation upon the earth. Mais j'attire votre attention. But I'm drawing your attention. Sur le terme grande. Upon the word big. Tribulation. Tribulation. S'il y a la grande tribulation. If there is a great tribulation. Dont la Bible parle. La Bible dit, the Bible says, ce qui va arriver, what's going to happen, n'a jamais été fait sur la terre, never been done upon the earth, et ça n'aura pas, ne sera jamais eu lieu, and it never been, it never occurred, et après cela, il n'y en aura plus jamais de comparable à ça. And after that, you have nothing comparable to that. Est-ce que le pasteur est en train de vous faire peur? Non. Was the pastor frightening me? No. Je voudrais vous affranchir. I would like to set you free. Si je ne prêche pas la vérité, je suis condamnant. If I don't preach the truth, I can be guilty. Mais si je prêche la vérité, vous la rejetez. And if I preach the truth, you reject it. Je vais vous condamner. But I'm going to condemn you. Prends-moi ce soir. And read tonight. Donc, comme un apôtre. As an apostle. Considère-moi ce soir comme un juge. Regard me as a judge. Qui donne le dernier avertissement avant la fin des temps. Before the end time. Jésus notre Seigneur a dit. Jesus our Lord said. Dans la Bible, il a pris l'écriture de Luc chapitre 17. Into the Bible, took the scripture of Luke chapter 17. Luc 17. Luke chapter 17. J'aime cela. I like it. Luc. Luke. Merci beaucoup. You're welcome. Remarquez. Notice, dans cette Bible, into that Bible, c'est écrit en rouge. It's written in red. Pourquoi rouge? Why in red? Parce que ce ne sont pas les paroles d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un pasteur. They are not the words of an apostle, a doctor, an evangelist, or a doctor. Ce sont les paroles de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. They have the word of God, of Jesus Christ himself. Et toute parole de l'homme est reconnue comme mensonge. And each word of the man is known as a lie. Mais sa parole est la vérité. But his word is the truth. Ce que l'homme a dit, what the man say, peut faillir. Can fail. Mais ce que Dieu lui-même a parlé, but what God himself spoke, ne faillira jamais. Will never fail. Est-ce que je me fais pas? Pouvez-vous dire amen à ça? Donc Jésus-Christ a pris deux grands événements qui ont eu lieu sur la terre. Jesus Christ took two great events occurring on earth. Et il a fait référence. And he had made reference. Luc. Luke 17. 17. 26. And verse 26. Jésus dit. Jesus said. Je prends le verset 22. Take verse 27. Et il dit aux disciples. And he told the disciples. Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours des fils de l'homme. Time is coming when we long to see one of the days of the Son of Man. Et vous ne le verrez pas. But you will see it. On vous dira. Man will tell you. Il est ici. He is here. Il est là. Or here. N'allez pas. Do not go running off. Ne courez pas après. Do not run after them. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, for the son of the man is day will be like the lightning. Ainsi sera le fils de l'homme en son jour. Will be the son of man into his day. Mais il faut auparavant qu'il
qu'il souffre. But first, he must suffer. Beaucoup. Many. Et qu'il soit rejeté par cette génération. And be rejected by this generation. Vraiment, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre. When God wants to do something upon the earth, il envoie un ange. He send an angel. Il envoie un message. He send a messenger. Il envoie un messager. He send a messenger. Qui sont les miséricordes. Which are the mercy. Il dit la plupart des fois. And he said most of the time. Les gens le rejettent. People reject. Et l'église. And the church. Ne veut pas le recevoir. Doesn't want to receive it. Et Jésus Christ. And Jesus Christ. Et fait la miséricorde pour Israël. Was the mercy for Israel. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? What Israel done? Ils ont pris le Messie, the Messiah, le prophète qui leur a été promis par Moïse, the promised by Moses, dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, Deutéronome 18:50, on l'a rejeté. And being rejected. Et quand vous rejetez, and when you reject, un message, a message, un messager, a messenger, un prophète, a prophet, c'est la condamnation. His condemnation. J'insiste. I insist upon it. Parce que ça me donne le frisson au cœur. Because it gives me some frisson to my heart. Je voudrais attirer votre attention. I want to draw your attention. À voir l'importance de croire à un prophète. To see the importance of believing into a prophet. C'est la bouche de Dieu. It's the mouth of God. C'est la miséricorde pour vous. It's the mercy for you. C'est de la chair pour le peuple. It's going into the flesh of the people. Vous le croyez? You believe in him. Vous êtes épargné. You be spared. Vous le rejetez. You reject it. Vous êtes fini. You are over. Là, on ne dira pas parce que je pars à l'église. They will not say because I go to the church. Parce que t'as le droit de chercher dans l'église. Mais on sait, le temps que tu prends. Mais le choix de Dieu, ce n'était pas les églises. The choice of God was not the church. Le choix de Dieu, c'était Moïse. The choice of God was Moses. Le choix de Dieu, c'était Jesus. Même les pharisiens, even the Pharisees, qui étaient religieux, being religious, ils ont été exclus, being excluded, parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour, but they didn't recognize the day, et son message, and his message. Jésus a fait référence de deux temps, de deux grands événements. Jesus might refer to two great events. First one, ce qui s'est passé au temps de Noé. What happened to Noah time? Genesis. Genesis 6, la Bible dit, the Bible say, dans Genesis, into Genesis 6, c'est un enseignement, it's a teaching, et nous voulons que vous puissiez sortir ici avec quelque chose. We want you to get here from with something. Prenez note s'il vous plaît. Write it down please. La Bible dit, the Bible say, ce qui s'est passé le temps de Noé. What happened to Noah time? Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. When men began to increase into the number of the earth, et que les filles, leurs filles, nées, and the daughters were born to them. Les fils de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles. The sons of God said that the daughters of men were beautiful. Et ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils cherchaient. And they married among them the Jews. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever. Car l'homme n'est que chair. For he is mortal. Et ses jours seront de 120 ans. And his day will be 120 years. Qu'est-ce qu'a amené Dieu? What chosen God? Qu'est-ce qu'a amené Dieu? What's gone God? A se repenti. To repent himself. D'avoir créé l'homme. For having created a man. Hein? Amen. C'est l'union libre. If the free union. Vous savez que la plupart des fois que je prêche ça dans les églises, même quand je voyage, les gens n'aiment pas ça. You know, most of the time I preach into the church, even on journey, people do not want it. C'est l'union libre. It's the free union. Le copinage. The friend, brotherhood. Entre un homme et une femme, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, on vit ensemble. Between a man and women, there is no marriage, nothing, we live together. On trouve une jeune fille dans le train parce que vous voyagez ensemble à Franceville, ou bien vous quittez Franceville pour ici, on se retrouve parce qu'on est des amis sur les mêmes chaises. We found a young lady because you're traveling the same way to Franceville, and there the wedding starts. Dieu dit, God said, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, when men started numerous upon the face of the earth, et que les filles, leurs filles nées, and the daughters were born to them, les fils de Dieu, the sons of God. Dieu n'a pas dit les filles de Dieu.
God hasn't said the daughters of God. Et je veux que toutes les sœurs disent les frères. And all the sisters say the brothers. Les frères. The brothers. Vu que les filles des hommes, les païens. So that the daughter of men, the pagans. Étaient belles. Were beautiful. Belle figure. Beautiful from the face. Corpulence exagérée. Where's the beauty body? So there. Vraiment, elle est belle. Truly, she's beautiful. Oh, oh, quelle femme. Oh, what a woman. En tout cas, si je peux la voir. Though if I can get her. Ça va régler mes soucis. It's gonna settle all my burden. Dieu ne dit pas que ce sont les sœurs qui ont commencé à tomber amoureuses des hommes. God didn't say the sisters started falling in love with men. Dieu parle ici des frères, des hommes, des fils de Dieu. Oh, talking here about a brother, man, son of God, qui vit les filles des hommes, who saw the daughter of man, devenir comment? Becoming her belle, beautiful, avec de courtes jupes, with short skirts, avec le dos dehors, with the back open. Le diable connaît comment attirer l'attention. The devil knows how to draw the attention. Il n'y a pas d'amen. Amen. Don't you say, man? Et toute la figure en 24 heures. And all the face with the makeup 24 hours. Ou de 48 heures de savon noir. Or 48 hours with the black soap. Et avec tout ce que le diable a mis sur les marchés aujourd'hui. With everything the devil put on the market today. Ça tirait les fils de Dieu. He threw the sons of God. Et la Bible dit. And the Bible says. Et ils en prirent. And they took pour femme, for women, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Among all of them they choose. Ils ont laissé leurs sœurs. They let them both their sisters. Ils commencent à tourner les regards vers les païens. They started looking toward the pagans. Alors l'Éternel dit. Then the Lord said. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. My spirit will not stay forever into man. Un homme n'est que chair. Old man is only flesh. Et ses jours seront de 120 ans. And his day will be 120 years. La Bible dit le géant était sur la terre à ce temps-là. Bible says the giant was on the earth at that time. Il en fut de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes. Also, when the sons of God went to the daughter of man. Et qu'elle leur eut donné des enfants. And had got children. By then, ils ont pris des femmes. They took women. Ils leur ont donné des enfants. They gave them to children. Ils sont mis au monde avec eux pour faire grandir la semence du serpent. And they began with them to make grow the seeds, the serpent seed. Un homme qui met au monde un bébé et puis ne vient pas voir le bébé ni moi donner quelque chose. A man began to a baby cannot come to see or give something. Mais c'est ce que Caïn fait. That's what Caïn did. C'est ce que le serpent en fait. That's what the snake did. La grossièvre. Break pregnant. Et il ne peut revenir. And he didn't come back. Et vous êtes assis. And you are sitting. Vous avez un enfant quelque part. You have a children someplace. Que vous ne prenez pas soin. That you do not take care. On dira non parce que j'étais étudiant. We say, pastor, I was student. Ça n'a rien à voir. You got nothing to do. Si tu étais étudiant, pourquoi tu as eu un bébé? If you are student, why do you have a baby then? Continue. Nous sommes dans la Bible, ok? We are into the Bible. L'Éternel vit que. The Lord said that. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. How the wickedness of the men great upon the earth. Et que toutes les pensées de leur cœur. And every thought of their heart. Se portait chaque jour uniquement vers le mal. Was only aiming all the time. Les pensées de leur cœur. The very thought of their heart. Chaque jour. Each day. Vers le mal. Toward heaven. Moi je vais séduire cet homme. I'm gonna seduce that man. Comment je dois casser ce mariage? I'm gonna break up that marriage. Comment je dois faire ça? I'm gonna do that. Les pensées, the thoughts, the love of man. Tout le jour, each day, se tourner vers le mal. Toward the evil. Comment je vais braquer? I'm gonna rob. Comment je vais violer? I'm gonna rob. Comment je vais dépouiller cette maison là? I'm gonna build that home. Non, ça pensait.
The man is fraud. Se dirige toujours vers le mal. Always directed toward the heaven. I know what you believe today. Quelqu'un va fuir l'église pour aller coucher avec une femme. Someone gonna flee the church to go have sex with women. Quelqu'un va fuir l'église pour aller coucher avec un homme. Someone gonna flee the church to go to have sex with a man. Vous ne comprenez pas l'importance de la parole. You're not entering the importance of the word. Et vous pensez que nous venons ici en tourisme. And you think you come here as a tourist. Et un jour vous allez regretter, mon ami. One day you're gonna regret, my friend. Dites amen si vous croyez ça. Don't you say amen if you believe. Alors la Bible dit. So the Bible says. It's tough. L'Éternel se repentit. The Lord grieved. D'avoir fait l'homme sur la terre. To have made a man on the earth. Et il fit affliger dans son cœur. Dieu affligeait dans son cœur. And God afflicted in his heart. À cause de la méchanceté de l'homme. Because of man's weakness. À cause des pensées de l'homme qui sont dirigées vers le mal. Because of the thought of the man directed through the evil. À cause de because of the free union. Y a pas la crainte de Dieu. There is no fear of God. On ramasse un homme et une femme à la rue. We pick up a man and woman in the street. Et on les place à la maison. And we put their home. Oh, c'est ma copine. Oh, it's my girlfriend. On prend un homme en route. We pick up a man in the street. On les place dans la maison. And we put him into the house. C'est mon mari. It's my husband. Vous ne craignez pas Dieu. You will not fear God. Votre place c'est la tribulation. Your place is tribulation. Attendez, je vous montre par la Bible ce qui vont aller dans la grande tribulation. Wait, I'm gonna show you through the Bible those who go through great tribulation. Quand vous piétinez la parole, when you snatch from the word, après avoir cru la parole est vraie, after believing that it was true, vous foulez la parole au pied, and you smash trouble into the face, marchez sur la parole, you walk under the word, afin de satisfaire vos passions de la chair, in order to satisfy the passion of the flesh, je vous jugera. God will judge you. Même si vous ne dites pas amen, vous écoutez et ça rentre dans vos cœurs. Even if you don't say amen, you listen and enter into your heart. Frère, brothers, Dieu s'est repenti. God repented himself. D'avoir fait l'homme. For having made man. Et la Bible dit. And the Bible said. Temps de Noé. To Noah time. Les pensées des hommes, man fault, c'est-à-dire seulement manger, was only eat, boire, drink, manger, eat, boire, drink, acheter, buy, vendre, sell, c'est tout ce qui était là-bas. Everything were into the hand. Tous les jours, on doit acheter. Each day, we should buy. Tous les jours, on doit vendre. Each day we should sell. Tous les jours, on doit boire. Every day we should drink. C'est la préoccupation. It's the preoccupation. Ce qui était dans la tête de l'homme. What was into the man's head. C'est le manger. It's the eating. Le boire. It's the drinking. Vous me suivez? You follow? Mais on ne lit pas la parole. And you do not read the word. On ne prie pas. We do not pray. C'est-à-dire, amen. Au temps de Noé, les gens satisfaient la chair. To Noah time, people satisfied the flesh. Et il accomplissait que c'est les choses qui avaient trait à la chair. Pour faire vivre la chair. Accomplishing all the things to attract to the flesh, to make the flesh live. Mais l'intérieur, but inside, on ne s'occupait pas. You don't take care of. Vous passez une semaine sans lire une brochure. Spent a week without reading the booklets. Alors que chaque jour vous lisez l'union. Donc, each day you read the union. Et d'autres ont commencé à lire une brochure qui n'a jamais été finie. And horror, start reading the booklet that never went over. L'homme ne vit pas du pain, mes amis. Man does not live only from bread, my friend. Je bénis le Seigneur, je suis calme aujourd'hui. I bless the Lord, I am quiet today. Peut-être ça peut changer un moment. Maybe it's gonna change later on. Mais les choses importantes, on doit les poser dans le calme. But the important things, you shall lay them into the quiet. Nourrir la chair, the food, the flesh, boire la chair, make drink the flesh, hein? Ensemble, acheter, sell and buy. C'est la préoccupation. That was their preoccupation. Et ils ne se rendaient pas compte que sur la terre, they don't realize that upon the earth, il y avait un message, they had a message, il y avait un prophète, and they had a prophet. Jamais, never, c'est pas manger, only eating, boire, drink, vendre, sell, acheter, buy.
prendre les femmes, take the women, le copain, or boyfriend, mettre dans la maison, and put into the home, la copine, or the girlfriend, mettre dans la maison, put into the home. Ne copiez jamais une mauvaise attitude d'un frère ou d'une sœur. Never copy a bad attitude of a brother or a sister. Vous êtes ici en tant qu'individu et personne ne vous tient pas dans la main pendant que vous partirez dans l'enlèvement. You are here as an individual. No one will sustain your hand when we go to the rapture. Vous irez seul. You will go alone. Maintenant, regardez pendant que les gens étaient dans le manger. Now look, what people were into the eating, dans le boire, into the drinking, dans l'acheter, into the buying, dans le vendre, into the selling. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Dieu, God, était en train de prendre des décisions dures. Was taking tough decisions pour ce peuple, for the people. Et Dieu a donné l'issue de son de salut. And God gave the outcome of salvation. Mais le peuple n'a pas tenu compte de ça. But the people didn't take count of it. Nous sommes dans Genèse 7. We are into Genesis 7. L'Éternel dit, the Lord said, à Noé, to Noah, de construire un arche. To build an ark. Noé a construit l'arche. Noah built up the ark. Prenons le verset 13. Let's take the verse. Le chapitre 6. Of the chapter 6. Alors Dieu, then God, dit à Noé, said to Noah, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. The hand of each thing is stopped in front of me. Car ils sont remplis, ils ont rempli la terre de violence. Oh, they fill up the earth with violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. I'm going to destroy death with earth. Fais-toi une arche de bois de coffer. So make yourself an ark of cypress wood. Et Dieu lui donnera le plan. And God will give him the plan. Il a bien dit au verset 22. And the Bible said to the verse 27. C'est ce que fit Noé. That's did Noah. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. He did everything just as God commanded him. Et un jour est arrivé, Dieu dit à Noé. And the day came, God said to Noah. Maintenant aujourd'hui. Now today. Rentre dans l'arche. Rentre dans l'arche. Rentre dans l'épouse de tes enfants. Bring your wife and your children. Et moi Dieu. And I God. Je vais détruire toute chair. Je vais amener la tribulation sur la terre. Mais toi, Noé, rentre dans l'arche. But you know, enter into the ark. Frère Branham a dit, what the Branham say? Noé a prêché pendant 120 ans. Noé preached during 120 years. Prédication sur prédication. Preaching upon preaching. Noé a averti la terre. Noé warned the earth. Je ne peux pas mentir. God cannot lie. Je m'a dit de construire l'arche. People say to Noah. Noé. Noah. Comme tu nous trouves là. As you see us. Nous sommes des scientifiques. We are scientific people. Et madame dit que la science au temps de Noé peut être comparable à notre science. And what the Bible says, science to Noah time cannot be compared to ours today. Et depuis que tu as prêché. Since you preach. Nous avons visité le ciel. We visited the sky. Aucun nuage. There is no cloud there. Voilà comment la pluie s'est composée. How the rains get formed. Il faut l'humidité. You need humidity. Il faut la chaleur. You need the heat. Quand les deux se mettent ensemble. When both move together. Ça va provoquer l'évaporation. Will produce evaporation. Et l'évaporation va provoquer la condensation. And evaporation will produce condensation. Et après la condensation. And after condensation. Ça va geler. It's gonna freeze. Voilà la pluie. Here the rain. Selon notre étude scientifique. According to our scientific study, il y a rien de comme cela. There is such no such thing. Donc ton message et toi vous êtes de faux prophètes. So both your message and you are false. No, I do glory to God. Let us say glory to God. Shalom. What's your name? Shit!
Vous savez ce que Frère Branham dit? You know what Brother Branham said? Le premier jour est passé. The first day passed by. Pas de pluie. No rain. Deuxième jour. The second day. Pas de pluie. No rain. Troisième jour. The third day. Pas de pluie. No rain. Quatrième jour. The fourth day. Pas de pluie. No rain. Cinquième. The fifth. Sixième. Sixth day. Pas de pluie. No rain. Même le septième jour. Even the seventh day. Il n'y avait pas de pluie. Has no rain. Mais après le septième jour. But after the seventh day. Après le septième jour. There is no enough sermon. But to know what time? After the 7 days. So Madame dit que ce matin-là, the Brother Branham said that morning. Noé avait la porte ouverte. Noah had an open door. Il a vu une nuée qui est descendue. How the cloud came now? Ça prit Noé. It took Noah. Il a poussé la marche. Punches into the air. Une main immense. Ça a changé la vitesse. Changing the speed. We get out. Entering. Ça fait autre chose. Did something else. C'était ton cas. When did it fall? Le 17. The 17th. Février. Of February. Il y a pas la même. Don't you say, man? Je veux dire février pour nous, mais. So I say, I mean February for us, for May. Parce que c'est le deuxième mois selon le calendrier juif. What is the second month according to the Jew calendar? Le premier mois du calendrier juif, c'est mars, c'est avril. The first month for Jew calendar is April. Et le deuxième mois du calendrier je fais c'est mai. And the second half of the Jew calendar is May. Le 17 mai. The 17th of May. Noé est entré dans l'arche. Le 10 mai. Enter into the ark of the tenth. Le Dieu a dit dans 7 jours il y aura la pluie. What takes them again to have the rain? 17 mai. On the 17th of May. Ça a commencé. Starting. Et je vais vous dire, vous qui m'écoutez. And I want to tell you, you listen to me. Absence. Absence. L'ange chargé de la destruction pour les hommes. The angel in charge of destruction for the world. Parce que les anges ont les fonctions. But the angel got functions. Comme les séraphins sont le pilier du sacrifice. It's like seraphim are the people to sacrifice. Michael c'est un ange que Dieu envoie pour les missions. Michael is an angel that God sent a mission. Il y a des anges pour les adorations. There is angel for worship. Des anges pour la destruction. Angel for destruction. Des anges pour le sacrifice. Angel for sacrifices. Absinthe est descendu. Absinthe came down. Frère Branham dit qu'est-ce qu'il a fait? Brother Branham said, what has it done? Il a ouvert toutes les vagues. He opened up all the veins. Il a ouvert les vagues. He opened up all the veins. De chaque fontaine. Of each fountain. De Dieu. So God. Lui a révélé que les vagues sont là. He went to heaven. Il a ouvert les écluses du ciel. And he opened up the écluses of the heaven. L'eau tombe du ciel. The water fell out of the heaven. L'eau sort de la terre. Water coming out of the earth. Alléluia. Amen. Pour que les chats ne peuvent pas résister. To the time people cannot resist. Il y avait la tribulation. La tribulation. C'est la tribulation. It's tribulation. Mais regardez quelque chose. But look something. Avant que la tribulation ne commence. Before the tribulation it starts. Et non que les gens ne vivent. Je vais vous dire, and I'm gonna tell you, que le message de Noé into the message of Enoch était différent du message de Noé. What's different of the message? Le message de Noé s'est rentré dans l'arche. The message was entered into the ark. Mais le message de Noé s'est rentré dans l'arche. The message
bougé. On va dire church. Mieux vaut ne pas écouter. Better not to listen. Que d'écouter. Not to listen. Il ne peut pas. And not to be right. Que le Seigneur nous aide. Let the Lord help us out. Quelle était la tribulation? What was the tribulation? Au temps de Noé. To Noah's time. Le déluge. Flow. Retenez ça. Keep it. Déluge. Flow. Et le déluge c'est quoi? And what is a flow? Ce n'est rien d'autre que l'inondation. Nothing else than the water coming up. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. And that's what we're living today upon the earth. C'est que je suis appelé les races de Marie. That Joshua called way of faith. La mer. The sea. Qui fait augmenter sa quantité d'eau. Making increase its amount of water. La France est en train de périr. France is getting going on. Par inondée. Very being flooded. Même ce qu'ils appellent, je ne sais pas, le tour d'Eiffel. Even what they call Eiffel Tower. Ça, c'est pas un vrai monument. That's not a true monument. Le vrai monument. The true monument. C'est la Bible. Is the Bible. William Branham dit. William Branham say. Même lors de l'inondation qui a eu lieu au temps de Frère Branham. Even the flood of that time to Brother Branham. L'eau est rentrée dans la double église du Frère Branham. The air entered into Brother Branham Church. La chair a été soulevée en haut. The flesh been raised up. Et Frère Branham avait laissé sa Bible. And Brother Branham laid his Bible ouvert. Open. Frère Branham dit quand l'inondation a diminué. Brother Branham said when the flood raised up. L'eau a ramené la chair là où il était. The water bring back the flesh where it used to be. Tout a été expié sauf la parole. This thing been washed except the word. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? And someone say amen. Ce qui arrive à du temps de Lot. What's happened to Lot time? Tout le monde a compris que le temps de Noé. Everybody understood Noah time. C'était le déluge. Was flow. Okay. Okay. Les vannes se sont ouvertes. And the rain get open. Et tout ce qui était sur la terre. And everything was upon the earth. Même les pasteurs. Even the pastors. Qui empêchait les gens d'écouter Noël. Prevent people to listen to Noah. Sont morts. Die. Et Frère Branham dit qu'ils sont tous partis en enfer. And Brother Branham said they all went to hell. Et Jésus est allé leur rendre témoignage. And Jesus went to make testimony. C'est moi qui ai envoyé Noah. That it's I who sent Noah. Au temps de Lot. To Lot time. Prenons le temps de Lot. Let's take Lot time. C'est Genesis. Genesis 18. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? What happened there? Prenons Genesis 19. Let's take Genesis 19, right? Je vais prendre le verset 22 pour aller vite. I'm gonna take a verse 22 to go fast. La Bible dit. The Bible says. Les hommes, verset 12. Verse 12. Les hommes tirent à Lot. The two men say to Lot. Est-ce que c'est ça? 19. Prenons le verset qui. Vous voulez que je lise quelque chose? Bon, prenons le verset premier. Genèse 19. The first verse of. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. The two angels arrived at Sodom to the evening. Et Lot était assis. A été assis à la porte de Sodome. Lot was sitting at the gateway of the city. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. When he saw them, he got up and went down and bowed down. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur. Say, my lord, please turn aside in the servant's house. Et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez demain matin et vous poursuivez votre route. You can watch your feet and spend the night and then go on your way. Non. Répondit-il, nous passerons la nuit dans la pluie. No, the answer will spend the night. Lot le pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. But
Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. He prepared a meal and baking bread without yeast and they eat. Ils n'étaient pas encore couchés. They were not trying to go on yet. Que les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Apparently, every part of the city stood above his son, surrounding. Toute la population était accourue. All the people came out. Ils appelaient l'autre et lui dirent. All the tall in. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Where are the men who came to you tonight? Faites-les sortir vers nous. Bring them out to us. Pour que nous les connaissions. So we may have sex with them. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Lot went outside to meet and shut the door behind him. Et il dit, mes frères, je vous en prie, faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. And say, no, my friend, don't be waiting. Come and look, I have to. Cela ne fait rien. Ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Do not hurt the men because they come into my roof. Il dit, retire-toi. Il tire encore. Celui-ci est venu comme étranger et il est venu faire le juge. Et bien nous te ferons pire que eux. They say, come after way. They come to judge, so we're gonna be more than you, frère. Brothers, what came to Lord time? C'est quoi? What is it? L'homosexualité. Homosexuality. Vous voyez vous-même que tout tourne autour du sexe. You see yourself everything turning around in the sex. Dans le temps de Noé, c'est le sexe. Into Noah time was the sex. Méchanceté. Meanness. Violence. Violence. Les pensées des gens se tournaient vers le mal. The fault of the people toward evil. Vous voyez qu'on tâte à l'homme de l'autre. You see, to Lord time. C'est quoi? What is it? L'homosexualité. Homosexuality. Dis ta main. Don't you say amen? La méchanceté. The meanness. La violence. Violence. Ils sont venus pour faire la violence. They came to do violence. Ils sont venus pour manifester la méchanceté. They came to manifest the meanness. Ils veulent tuer l'autre. What I kill Lord. Lord. Lord, a même livré ses filles. Even delivered his daughters. Vierge. Virgin. Ils ont dit non. And they say no. On n'a pas besoin de femmes. We do not need women. Nous voulons seulement les hommes. We want only men. On doit sortir avec eux. We shall have sex with them. Frère. Brother. Imaginez vous-même. Let's imagine yourself. Deux hommes contre toute une ville. Two men against the whole city. Tous les habitants de la ville. All inhabitants of the city. Il veut coucher même avec les anges. Oh, have sex even with the angel. Même les anges. Even the angel. Il veut coucher avec eux. Wanna have sex with them. Frère. Brother. Si il veut aller avec les anges qui sont arrivés comme les étrangers. If they want to have sex with the angel, he came as a stranger. Alors imaginez ce qui s'est passé au milieu d'eux. Let's imagine what happened in the midst of them. Donc entre eux, c'était comment? So between them, how was it? Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis? What can I tell you, my friends? La Bible dit dans Luc 17. The Bible says in Luke 17. Verset 26. Verse 26. Les gens bâtissaient. People build. Construction. Build the bone. Manger. Eating. Buvez. Drink. Vendez. Selling. Acheter. Buying. Et autour de ça. And around that. Là où il y a le commerce. Where there is a trade. La ville où il y a l'argent. The city where there is money. Là où il y a la circulation de l'argent. Where there is a circulation of money. Le grand péché qui est là, c'est le sexe. The great sin there is the sex. Je n'entends pas vos appels. I can hear your name. Amen. Vous remarquez mes amis? You know my friends. Ils voulaient connaître les hommes. They want to have sex with men. Leurs péchés. Their sins. Vendre. To sell. Acheter. To buy. Planter. To seed. Construire. To build. Manger. To eat. Boire. To drink. Et ils ne comprennent rien sur ce qui se passe sur la terre. They understand nothing about what's happening upon the earth. Ils sont attirés par le naturel, la chair. Ah, growing by the natural, by the fleshly. Il ne savait pas que Dieu était en train de prendre des mesures dures. He knew God was taking tough measures sur la ville qui est habitée. Upon the city they were dwelling in. Oh Dieu. Oh God. Fais que ce peuple puisse comprendre ce que je veux dire. Make the people understand what I'm going to say. Est-ce que Dieu fait? What God did?
Il dit l'autre. Il sait l'autre. L'autre dans la maison. Get inside the home. L'autre va traîner. L'autre va l'arriver. Il me fait entrer. Il make him enter. Je le frappe de la fête de mort. I got struck there with blind. Aujourd'hui, les gens de ce monde sont frappés de la fête de mort. Today, people are struck with blindness. Au point qu'ils ne peuvent pas connaître qu'est-ce que Dieu va faire sur la terre. To the point they cannot know what God gonna do upon the earth. Et après ça, and after that, le temps est temps de la prochaine. Le sang chanté à l'autre. Maintenant, now, la porte est ouverte. Is open. Vous faites entrer dans la maison tous ceux qui sont les vôtres. Maintenant, now, sautez la ville. Get out of city. Mais sous notre protection. But under our protection. Sors. Non, ça y est, détruit la terre. We're gonna destroy the city. On va détruire ce nombre. We're gonna destroy ce nombre. On va détruire ce nombre. Juste, you righteous. Look at tes erreurs. Look at tes manquements. Tu as reçu le messager. Et nous sommes prêts à faire le pas danger. Mais tu la sors. Le corps est sorti. The body went out. Le cœur. But the heart. Sodom. Remained to Sodom. Il y a beaucoup de gens. There is several people. Qui sont aujourd'hui dans la parole de Dieu. We are today into the world of God. Qui suivent Jésus Christ. Who follow Jesus Christ. Mais le corps. But the body. Et là l'église. Is there to the church. En train d'adorer Dieu. In worshiping God. En train d'adorer les enfants. In giving all from him. En train d'adorer Jésus Christ. For the world. Il prend son copain. He takes his boyfriend. Il le garde à la maison. He keeps home. Et après il vient à l'église. And after he comes to the church. Vous serez enlevé. You will be wrapped. Même votre propre conscience vous reproche. How come? C'est comme les gens ne veulent pas que je puisse prêcher ça. It's like people don't want me to preach it. Ça doit être prêché. It shall be preached. C'est la voix du salut pour vous. It's the voice of salvation for you. Oh, même à l'autre a eu peur. Even Lord was afraid. Est-ce que tu me fais sortir maintenant? If you make me hard now. Quand je suis en train de partir, tu vas détruire la ville et je vais mourir. You are the son of sin, you are now. Jusqu'à ce que tu sois arrivé. Until you reach there. À d'autres termes. In other words. Le jugement était là. The judgment was there. Mais là, j'arrêtais le jugement. And to stop the judgment. Pour que notre sort. So what we are. Et je vous arrêter ce soir. I'm telling you tonight. Le jugement est pendu au-dessus de la terre. And when Lot got there, sa femme, his wife est sortie, went out,
C'est le type de orpa. The type of orpa. Après? After. Israël. Even Israel. Quand nous sommes arrivés à Sodome et Gomorrah. When God came to Sodom and Gomorrah. La sœur était en haut là-bas. The sister was up there. Avec le cou. With the neck. Il est devenu une statue de sel. I have become a statue of salt. She remained there. Today we eat her, sister Lord. L'incrédulité, faithfulness, n'arrêtera pas Dieu. Will not stop God. Dieu fera ce qu'il a dit. God will do what He has said. Maintenant, pour les habitants de Sodome et Gomorrah. Now for the habitants of Sodom and Gomorrah. La Bible dit. The Bible says. Genèse 19:22. Genesis 19:22. Hâte-toi de t'y réfugier. Hurry up and get there. Car je ne puisse rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Because I cannot do anything until you reach it. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tishwa. That is why they call that town. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tishwa. On the time of God when Lot entered into Tishwa. Suivez maintenant mes amis. Follow now my friend. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Then the Lord make rain down from the heavens. Sur Sodome et sur Gomorrah. On Sodome and Gomorrah. Du souffle. Sulfur. Et du feu. And fire. Et dans Luc il est dit une pluie. And in the Luke he said a rain. Du feu. Of fire. La pluie. The rain. Du feu. Of fire. Et du souffle. And sulfur. Le souffle. The sulfur. C'est l'étouffement. Is the stamina. Une pluie d'étouffement. A rain of a staffman. Pastor, je m'étouffe. Pastor, I cannot breathe anymore. Vous n'avez jamais vu l'étouffement. You haven't seen it, stop breathing now. Attendez. Wait for. C'était une grande tribulation. It was a tribulation. C'était une tribulation. It was a tribulation. Bouche. Flow. Tribulation. Tribulation. Pluie de feu. Rain of fire. Et de souffle. And suffer. Tribulation. Tribulation. Frère. Brother. Dieu a détruit toute une ville. David. Destroy two towns. Sans péché. With no mercy. Dieu a détruit des milliers de gens sur la terre au temps de Noé. He destroyed thousands of people in the earth of Noah's time. Sans péché. With no pity. À cause du péché. Because of the sin. Le sexe. The sex. C'est ça qui tue les gens. That's what's killing people. Vous voyez ça, frère? You see that, brother? Dieu n'a pas épargné. God haven't spared. Et la Bible dit. And the Bible says. Dans Romains 2. In Romans 2. Ils ont changé l'usage naturel. Changing the natural usage. Ça c'est ce qui se passe actuellement. That's what's happening now. Et vous regardez ça vous-même dans la télévision. And you see that itself into the TV. Les hommes marient les hommes. People marrying men. Les femmes marient les femmes. Women marrying women. Et c'est maintenant dans tous les pays de l'Europe maintenant aujourd'hui. Becoming a custom in all the countries of Europe today. C'est l'actualité. Is the breaking news. Sans compter les États-Unis. We're not counting United States. France. Belgique. Belgium. Allemagne. German. Indonesia. Pologne. États-Unis. United States. Portugal. Portugal and Spain. Fanfare, Italie. Our Italia. Our men. Ils ont poussé les pions loin aujourd'hui. Purchased too much of time to them. Même les chiens. Even dogs. Vous aimez un chien? You like the dogs? Comme le beau chien qu'on voit sur la route là, qui est gros comme ça. As a nice dog you see on the streets. Vous allez chez le propriétaire, vous donnez la dot et vous l'épousez. We go to the mother, we do it, the telephone and we marry him. Les gens qui sont malades. People sick. La perversion. Perversion. Dieu a détruit tout le monde par la pluie de feu. God destroyed the world by the rain of fire. Je ne sais pas si vous suivez ça très bien. I don't know if you follow very well. Je vais aller tout droit. I'm gonna go straight. Le monde détruit. And the world destroyed. Au temps de notre pharaon. To Pharaoh time. Troisième tribulation. Third tribulation.
a king, a peuple, an otage, took a people into hostage. Il a rendu esclave. And he made them slave to walk into his account. And dictateur, the dictator. C'est lui, Pharaoh. It's him, Pharaoh. Dieu lui envoie un prophète. God sent him a prophet. Et toi, Moïse, un petit comme ça. You, Moses, small like you. Tu vas faire quoi? What you gonna do? Moïse l'a tiré dans l'école du surnaturel. Moses threw him into the supernatural school. Alors là, Pharaoh ne pouvait plus reconnaître Moïse. Then Pharaoh could not recognize Moses anymore. Et vraiment, c'était Dieu, Moïse. And what the prophet was calling to Moses. Moïse ne pouvait pas changer de nom. Moses cannot change water into blue. The chapter said that Moses was calling to a man doing so. Moses ne pouvait pas diviser la mer rouge en deux parties. Moses cannot divide the right into two parts. The chapter said that Moses was calling to a man doing so. Le pharaon regardait le corporel. The pharaoh looked out to the body. Il a ignoré que celui qui était dedans, c'est Dieu tout puissant. I acknowledge some fear. Et je voulais vous en montrer. And I'm going to show to you. Première perturbation. First perturbation. Je ne sais pas si je peux trouver celle-ci. Don't know if I can find it. Après, nous rentrons dans ce qu'on parle. So we're going to enter there. Très, très, très important. Very, very important. Qu'est-ce que Dieu a fait? What God did. Il a commencé à frapper. He started to strike. Il a commencé à détruire. He started to destroy. Sans pitié. With no mercy. Ok, je l'ai trouvé. So I found it. Premier fléau. The first flea. C'est l'eau qui change en was water change into blood. L'eau de tout le pays. The water of all the country. Devient du sang. Becoming blue. Frère Adam dit. But the problem said. Les magiciens de Pharaon. Pharaoh magician. On fait ça aussi. So did the same thing. Mais. But. Il ne pouvait pas les remettre à son état. They couldn't change it back. Et Moïse avait la capacité de changer l'eau enfin et de remettre le sang devenir l'eau et l'eau devenir le sang. Moses has the ability to change water in blood and blood in water. Deuxième fléau. Second fléau. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Le grenouille dans tout le pays. The frog into all the country. Mais ce n'est pas une grenouille. Hein? And it was not one frog. Ce sont des tonnes, des tonnes, des tonnes. Vous mettez la tête sur l'oreille, ce sont les grenouilles qui sont les devenus dorés. Then the tongue of thorn, you put the head and see the frog. Troisième. And the third one. Le pou. And what's on me? Quatrième. The fourth. Les mouches venimées. The flies of venom. Cinquième. The fleas. La mortalité des bêtes. The mortality of the beast. Sixième. The sixth. Les sucres dans les hommes et dans les animaux. The same to the man and the animal. Septième. The seventh. Le feu et le crâne. The fire and the breeze. Huitième. The eighth one. Le sauterelle. The locust. Neuvième. The nine. Neuvième fléau. The ninth threat. Le ténèbre sous toute la terre. The darkness upon all the earth of Egypt. Pendant 3 jours. During 3 days. Il saute dans les ténèbres. The heart into darkness. L'ange je vais entendre votre mère. Oh, 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 oh. Et le dixième plaie. And the tenth plaie. C'est la fin de l'histoire. At the end of the story. La mort de chaque premier-né de chaque famille. The death of each first one of each family. Personne ne peut aller au malheur chez l'autre. No one can go to the one to the other. Parce que chaque famille. Because each family. En Égypte. Yeah. Pour protéger les Israélites. Parce qu'Israël avait un prophète.
It's the time of day. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Into Ecclésiaste 3 verset 9. The Bible says. Il n'y a pas de nouvelles choses sur la terre. There is no new things on the earth. Ce qui est. What it is. A déjà été. Has already been. Et ce qui était. And what has been. C'est ce qui arrivera. That's what will come to pass. En d'autres termes, mes amis. The same God, la tête de la terre, who destroyed the earth, par le sort de l'Ish, to the rain of the flue, par la pluie de feu, to the rain of fire, par le deep blue, to the ten flame. Je vais redire ces choses. I'm gonna gather those things. Et il a réservé ça dans le ministère de deux mains. And he reserved in the ministry of the two anointed. Et ce sont les deux mains. And there are the two anointed. Qui va persécuter la terre. I'm going to persecute the earth. Qui va persécuter la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada.
je ne peux pas, je suis pas pour dire que toi va comme ça. Non, I am not going to say you go this way. Maintenant, non, ce n'est plus le temps de forcer quelqu'un. It's not the time to push someone. Vous connaissez déjà la parole. You know the word already. Vous connaissez ce qui est bien fait. Mais vous savez ce qui est mauvais à ne pas faire. You know what you need to do. Donc maintenant, so now, le temps dans lequel nous vivons. The time chacun doit nous montrer quelle sémence qui est en lui. The time is to show what sin is within him. Parce que nous sommes venus ici en foule mélangée. Because we come in the mix now. Mais par la parole de péché maintenant. Come to the word we preach now. Par votre vie. Through your life. Chacun doit déterminer quelle sémence il est. We should determine what sin is beyond. Nous l'avons fini. Our desire. Tout le monde part dans l'enlèvement. Everybody to go to the world. Qui fait le prêt lui-même.
Ce qui était, not was, a déjà été, has already been. Ce qui était, not was, c'est ce qui sera, that's what will be. Ce qui a été, not has been, c'est ce qui sera, that's what will be. Il n'y a pas de nouvelles choses sur la terre. Don't you believe so? Le
Nous bâtirons un certain pays dans un pays. Alléluia. Tous ces grands prophètes, all
Prophétise upon the Messiah. Et quand le Messie est venu, why the Messiah came? Parce qu'il était tellement simple. Yes, he was so simple. Il n'avait rien attiré l'attention. As no fit to draw the attention. Il est venu, toi le Messie. The people say, you the Messiah. Allez, vas-y. Move on. Les gens aiment quelque chose qui attire l'attention. People like something that draws the attention. Puisqu'il était tellement humble. Oh, he was so humble. Ils l'ont rejeté. They rejected him. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Mais Jésus a prêché. Jésus a dit dans Actes chapitre 1 verset 9. La repentance. Repentance. Non, lisons ça s'il vous plaît. Really, please. Rapidement. Actes. Quickly. Actes chapitre. Chapter. Premier. First. Verset 9. Verse 9. Jésus a dit quelque chose de très important. Jesus said something very important. Lisons ça. Let's read it. Je ne sais pas si vous êtes content de lire la Bible. I don't know if you're happy to read the Bible. Jésus a dit. Jesus said. Dans Actes chapitre 1er. In Acts chapter 1. Nous lirons. We read. À partir du verset 9 rapidement. From the verse 9 quickly. Oh là là, je dépasse vite. Oh my. Actes chapitre 1er. Acts chapter 9. Verset 9. Verse 9. La Bible dit. The Bible says. Après avoir dit cela. After saying this. Il fut élevé. He was taken up. Pendant qu'il regardait. En prenant le verset 7. The verse 7. La Bible dit. The Bible says. Il a répondu. He said to them. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. It is not for you to know the time the Father has to receive. Mais vous recevrez une puissance. That you receive the power. Le Saint-Esprit survenant sur vous. The Holy Spirit coming upon you. Et vous serez mes témoins. And you will be my witness. À Jérusalem. In Jerusalem. Dans la Samarie. To all Judea. En Judée. In Samaria. Dans la Samarie. In Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. La tribulation, tribulation a frappé les Juifs. Strike et Jésus l'a dit. And Jesus said, dans Luc chapitre 21. And to Luke chapter 24. À partir du verset 27. From the verse 27. 20 à 27. 20 to 27. Notre Seigneur Jésus a dit. Our Lord Jesus said. Prenons vite la Bible, mes amis. Let's take the Bible, my friends. Nous faisons la course à la montre. We're making the run. Jésus a dit. Jesus said. Luc 21. Luke 24. Verset 20. Verse 20. Lorsque vous verrez Jérusalem. When you see Jerusalem, investi des armées, sachez alors que sa désolation est proche. You know the desolation is near. Alors que ceux qui sont en Judée, that those who are in Judea, fuient dans les montagnes, fuient to the mountains. Et ceux qui seront au milieu de Jérusalem, like those in the city out, en sorte. And get out of the city. Et ceux qui seront dans les champs, and those who are into the n'entrent city, pas dans la ville. But enter into the city. Car ça sera le jour de vengeance. For in a time of punishment. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes ceux qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ce jour-là. Suivez, car il y aura une grande détresse dans le pays into the land, et de la colère and the wrath contre ce peuple. Il a pu le dire, ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. And will take us prisoner to all the nations. Jérusalem, Jerusalem, sera foulé aux pieds. Will be trampled by the foot. Par les nations, to the Gentiles. Par les Arabes, to the Arabs. Par les musulmans, to the Muslims. Jusqu'à ce que, till the time. Je peux remplacer les X par leur valeur. I'll replace the X by the value. Jusqu'à ce que les âges les plus seront terminés. Till the time the ages will be over. Je fais entendre votre alléluia. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Until the time of the nation be fulfilled. Suivez le verset 25. Follow the verse 24. Il y aura des signes dans le soleil. We'll have sun into the sun. Dans la lune. Moon. Et dans les étoiles. And stars. Et sur la terre. And on the earth. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Nation will be in anguish. Les angoisses. English. Chez les nations. For the Gentiles. Qui ne seront que faire. Will be only persons. Suivez bien. Au bruit de la mer et des flots. To the noise of the world and the fringe. Les hommes rendant l'âme de terreur. And giving mind by terror. Dans l'attente de ce qui suivra. Facing the what's coming up. Pour la terre. For the world. Ce qui va arriver sur la terre. What's going to happen upon the earth. Beaucoup de gens vont rendre là. Some people will die. Parce qu'il y aura des inondations. There's a lot of fruit.
C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Jesus Christ himself said so. Car le puissant de sueur seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme. So we'll see the Son of Man. Dans une nuée. Avec puissance. With mighty. Et une grande gloire. And a great glory. Dans ces choses commenceront à arriver. One thing will be taken place. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Je voudrais parler calmement. And I would like to talk quietly. Maintenant. Now. Tous les événements. All the events. Nous venons de parler. That you just talk about. S'accomplissent. Will get fulfilled. Dans la moitié de la 70 semaines de Daniel. Into the half of the 70 weeks of Daniel. C'est-à-dire. Means. Pendant 3 ans. During 3 years and a half. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. Ce monde que nous habitons actuellement. The world that we live in actually. Après l'enlèvement de l'épouse. After the rapture of the bride. Ne résistera que pendant 3 ans. Will reside only for during 3 years and a half. Je veux votre amen. I want your amen. Alors pendant les 3 ans et demi. During the 3 years and a half. Qui reste. Remaining. Après notre départ. After our departure. Dieu. God. Will send Elijah et Moïse and Moses. Parce que les deux prophètes, those both prophets, c'est eux qui vont amener les tribulations par leur message parmi les gens de Israël. Who brought down tribulation through the message
toward the people of the sanctuary. Ceux qui n'ont pas cru le message de leur temple pendant les salles d'église. Those who haven't believed the message of the temple during the age church vont passer par la grande tribulation. Will undergo the great tribulation. Je dis bien même si vous allez dans une église. I say, well, even if you go to the church. La volonté de Dieu ce n'est pas d'aller dans une église. The will of God is not to go to the church. Mais c'est de reconnaître le jour. But to recognize the day. Et son message. And his message. Suivez-moi mes amis. Follow my friends. Quand les deux rois vont venir, when the two anointed will come, nous ne serons déjà partis. We'll only be left out. Mais nous prêchons les choses qui arrivent. But we preach things to come. Pour que ceux qui vont rester comprennent. So those who remain will understand. Afin qu'ils deviennent des prophètes avec des petites prophéties. So that become prophets with small prophecies. Et ce que vous allez dire doit s'accomplir et les gens vont vous croire et vont vous élever au rang du prophète. And what you say will get to pass. People will believe and raise them to the rank of prophets. Maintenant. Now, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Please pay attention. Je me calme moi-même. I calm myself now. Parce que c'est important. Cause it's very important. Quand les deux rois vont apparaître à Israël. One or two anointing will appear to Israel. Tous les Juifs, all the Jews, qui ne sont pas encore retournés à Jérusalem, which are not gone back to Israel yet, vont revenir. When I come back. Et aucun juif ne restera parmi les nations. And no Jew will remain during the nation. Amen. Tout le monde doit revenir. Everybody should come back. Leur prédication, their sermons, en un jour, in one day, va convertir 144,000. Will convert 144,000. Je voudrais que vous me compreniez. I want you to understand. C'est pourquoi tout juif. That's why each Jew n'est pas israélite. He's not Israelite. Amen. Il y aura des juifs. We have a Jew qui ne croirait pas aux deux rois. Will not believe to the two anointed. Hein? Isn't so? Mais les 144,000. By the end of the 44,000. Vont le croire. Going to believe them. C'est pourquoi dans Romains, that's why into Romans, chapitre 25, chapter 25, chapitre 11, verset 25, I mean chapter 11, verse 25, la Bible dit, the Bible said, une partie d'Israël, a part of Israel, est tombée, fallen, dans l'endurcissement, into the hardness, je dis bien une partie, I say well, a part, suivez bien, follow well, car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère, cause I don't brought you to be a clear enough, afin que vous ne vous regardez pas comme ça, so you not look yourself at what, une partie d'Israël, a part of Israel, est tombée dans l'endurcissement, has experienced hardness, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée, the full number of the Gentiles, et ainsi tout Israël sera sauvé. And so all Israel will be saved. De même qu'il y a la différence entre l'épouse et l'église. Then there is a difference between the bride and the church. Il y a la différence entre Israël et les Juifs. There is a difference between Israel and the Jew. Tout Juif n'est pas israélite. Each Jew is not Israelite. Je ne sais pas si vous comprenez. I do not know if you understand. Donc le message de moi. So the message of the two anointed. Ne concerne que Israël. Concerns only Israel. Et tous les Juifs. And all the Jews. Même s'il a laissé la barbe pousser. Even if he let the beard grow up. Dites amen. Don't you say amen? Il va rester. They're gonna stay. Parce qu'il y aura des Juifs. Cause we have Jews. Judaïque. Judaïque one. Les pharisiens juifs. The Pharisees Jews. Les Sadducéens. Sadducéens. Qui ne croiraient même pas au Messie. Who will not believe even into the Messiah. Vous allez me passer comment? You want to say Pastor Alcon. Quand Jésus est venu la première fois. When Jesus came for the first time. Est-ce que tous les juifs l'ont cru? Does all the Jews believe in him? Hein? Quand il ne viendra pas les deux rois. When he comes to the two anointed. Tous les juifs ne le croiraient pas. All the Jews will not believe in him. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Now what's going to happen? C'est ça. Is that le cœur du sujet, the heart of the topic? Qu'est-ce qui se va se passer? What's going to happen? Ces deux rois, those two anointed, ils vont frapper le monde des nations. They're gonna strike the world of the Gentiles avec toutes sortes de malédictions qu'ils veulent. With which kind of curse that they want? C'est pourquoi Dieu ramène Élie et Moïse. That's why God brings back Elijah and Moses. Parce que Moïse a frappé l'Égypte. Because Moses struck Egypt.
de tous les fléaux. Of all the flames. Nous avons vu la fois passée. And we saw last time. Que ce sont les mêmes fléaux qui vont revenir. That they are the same flames when I come back. Élie, Elijah. Il y avait des gens à son temps. What if people in this day? Qui voulaient la monter. Wanted to bother him. Il y a dit que le feu tombe. Elijah said, let the fire come down. Et le feu tombe. And the fire fell down. 50 personnes sont mortes. And 50 persons down. Le militaire, le roi Akab a envoyé un conséquent. The king Akab sent for 50. Que le feu tombe. Let the fire fall down. 50 sont morts. 50 die again. Il a envoyé encore. He sent again. Que le feu tombe. Let the fire fall down. 50 sont morts. 50 die. Donc il a la capacité. So he had the ability. D'attirer le feu du ciel. To draw the fire from the heaven. Et ce qui va arriver par le ministère de Dieu. What's going to happen to the ministry of the two anointed? N'a rien à voir avec la science d'abord. Has nothing to say with the science then. Là, ce sont les jugements de Dieu par la parole. What's the judgment of God through the word? Est-ce que je me fais comprendre? Do I make myself clear? Quand la parole a changé le nom ensemble. As the word has modeled in food. Il y a eu le grain de feu. Had a hail of fire. C'est ce qui s'est mal arrivé là. What happened then? Pendant la période de 3 ans et demi. During the time of 3 years and a half. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? What happened to that star? Vous me suivez? Are you following me? L'épouse est enlevée. The bride has been wrapped. Israël a tissé une alliance avec la robe. Israel made a treaty with Rome. Parce que la robe possède tous les biens du monde. Because Rome possesses all the goods of the world. Et probablement qu'ils sont les biens qu'il a volés en Russie. And both Rome says that the good that is stolen in Russia. Et ce qui continue à voler maintenant dans les nations, dans les églises. What it keep stolen into the Gentiles, into the church. Maintenant la partie des biens que lui manque. Now the part of the good missing. C'est Israël qui en possède. It's Israel possessing it. Alors il va tisser maintenant le lien. Then you're gonna have a treaty. Avec Israël. With Israel. Afin de chercher par la ruse. In order to do to the cunning. À récupérer les biens d'Israël. To take Israel. Et cette alliance là sera brisée. Je vais entendre votre appel. Alors remarquez. So notice. Quand les deux ouais vont finir de prêcher. When the two anointed are gonna finish up preaching. Le monde sera fâché. Le monde à Dieu. The entire world gonna be mad. Sera fâché entre les deux ouais. Gonna be mad against the two anointed. Et à cette période là. Into that time. Le monde est déjà entré dans la globalisation. The world enter into globalization. Dans la mondialisation. Into the world friendly. Et ils sont déjà le gouvernement mondial. Et les autres présidents du monde deviendront des gouverneurs. And the other president of the world will become one governor. Je ne sais pas si je me fais comprendre. I don't know if I make myself. Alors, en ce moment-là, so into this day, pendant les 300 et demi, during the 3 years and a half, Satan, Satan, Lucifer, donnera à la bête qui est le pape trois choses. Will give to the beast which is the pope three things. Son pouvoir, his power, son autorité, his authority. Et il donnera encore, je crois, dans le livre de. Le livre d'Apocalypse. Give himself in the book of Revelation. Dans chapitre 12. I think chapter 12. Il lui donnera aussi une troisième chose. He will give himself a top thing. Et il aura le contrôle du monde entier. He'll have the control of the entire world. Permettez-moi de vous dire calmement. Allow me to tell you quietly. C'est la bête. It's the beast. Qui tuera les deux ouais. Will kill the two anointed. Amen. Je ne sais pas si vous croyez à ça. I don't know if you believe in it. Lisons ça dans la Bible. Let's read that into the Bible. Prenons Apocalypse chapitre 11. Let's take Revelation chapter 11. Vous allez voir comment est-ce que la bête va tuer les deux ouais. We're gonna see how the beast killed the two anointed. Okay, Apocalypse chapitre 11. Revelation chapter 11. Et nous allons lire le verset 7. We're gonna read from the verse 7. La Bible dit. The Bible says. Quand ils auront achevé leur témoignage. When they have finished up their testimony. La bête qui monte, la bulle. The beast has come out from the abyss. That is Lucifer, Satan incarné. Means Lucifer, Satan incarné. Lucifer. Are you following? Les feront la guerre. We'll attack them. Les fera la guerre. We'll attack them. Les vaincra. We'll overpower and kill them. Et les tuera. And we'll kill them. Amen. Comme si l'église n'est pas avec moi. It's like if the church is not with me. Qui vont faire la guerre aux deux ouais? Who's gonna fight the two anointed? La bête, the beast. Et après ils vont les faire quoi? And after they're gonna do that, les tuer. They're gonna kill them. Et la Bible dit, Bible say, le vaincra et le tuera. Will... Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. C'est quel pays?
Israel. Ce qu'on appelle symboliquement le Sodome et l'Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. C'est où? That we call figuratively Sodom and Gomorrah, where we do hein? Lord have been crucified. Israël. Okay. Israel. Peut y aller? Can we go? De sorte d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations. Man, between the people, the tribe, the nation. Verront leur cadavre pendant trois jours et demi. We see their body during 3 days and a half. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Will not allow their corpse to be put into the grave. Et à cause d'eux. And because of them. Les habitants de la terre se réjouiront. People of the earth will rejoice. Et seront dans la grâce. And will be into rejoicing. Et ils en feront des présents, c'est-à-dire des cadeaux les uns les autres. Christ went to others. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Those both prophets troubled the inhabitants of the earth. Après les 3 jours et demi. After the 3 days and a half. Un esprit de vie venant de Dieu. A spirit of God coming from God. Entre en eux. Will enter into them. Et ils se tiennent sur leurs pieds. And they will stood on their feet. Et ils craignent contre sa parole de ce qu'ils voyaient. And the terror struck those who saw them. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait. Montez ici. Come up here. Et ils montèrent au ciel. And they went up to heaven. Dans la nuée. In a cloud. Et leur ennemi le vit. What the enemies à cette heure-là, il y eut un tremblement de terre. Actually, our world was an earthquake. Et la dixième partie de la ville tomba. And the tenth part of the city collapsed. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. 1000 men got killed into that earthquake. Et les autres furent effrayés. And the other got terrified. Et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Glory to the God of heaven. Le Pape, the Pope, qui a incarné Satan, when God said it, qui est la tête du gouvernement du monde, the head of the government of the world, qui est le père de la mondialisation, to the father of the worldlings, va tuer les deux rois. Gonna kill the two anointed. Et vous voyez, frère? And you see, brother? Quand il va tuer les deux rois, they're gonna kill the two anointed. Les 144,000 qui viennent de recevoir le Saint-Esprit. Holy Ghost, ils sont encore vivants. Are still alive. Mais la Bible dit, but the Bible says, la même bête qui a tué les deux rois, the same beast who killed all the two anointed, va aussi tuer les 144,000. Prenez votre Bible. Let's take your Bible. Apocalypse chapitre 13. Revelation chapter 13. Verset 7. Verse 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of the Lord Jesus. La Bible dit ceci. The Bible says this. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. It was given to make war against the saints. Et de les vaincre. And to conquer them. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. It was given authority upon each tribe. Tout peuple, toute langue et toute nation. Every tribe, every people, every nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. And all the inhabitants of the earth will worship. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau. In the book of life of the Lamb, qui a été immolé dès avant la fondation du monde, was being slain for the creation of the world. Pendant cette période là, during that period, après avoir tué les deux rois, after killing the two anointed, ils vont chercher à prendre le contrôle du temple de Salomon. They're gonna try to take control of the temple of Solomon. Et il va amener les Juifs jusqu'au temple. And he's gonna take the Jews into the temple. Et il va s'imposer pour se faire Dieu. C'est ce que la Bible appelle dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 8 l'homme du péché. That's what we call it, the man of the sea. L'impie, the impure, qui s'assurera jusqu'au temple de Dieu, will sort until the temple of God, et qui se fera Dieu, and we're gonna make himself God. Et les 144,000, and the angel of 44,000, will say no, votre Dieu. That's a pope who will kill all of them. Ils vont tuer qui? They're gonna kill who? Je sais qu'il dira. I know who will say que la bête c'est pas lui. That the beast is not in. N'avez-vous jamais lu Apocalypse 13 verset 18? Haven't you read Revelation 11 verse 18? Que celui qui a de l'intelligence. That's who have the knowledge. Calcule le chiffre de la bête. Calculate the numbers of the beast. Car ce chiffre-là est le chiffre d'un homme. Because this number is the number of a man. Ce chiffre-là c'est 666. And that's
Number 666. Il a fallu que votre prophète, needing your prophet, aille à Rome, go to Rome, pour aller rencontrer le pape, to go and meet the pope. Et on lui a donné le consigne, and even given the son, vous ne pouvez pas le rencontrer en venant comme ça en face. You cannot meet him by going straight to face. Depuis la porte, since the gate, vous devez tourner le dos. You shall turn your back. Et avancer vers lui. And go back off. Quand vous arrivez là, and when you get there, vous tournez le dos. You turn your back. Il va te donner sa bague. He's gonna give him his ring. Vous embrassez la bague de sa jeune. And you're gonna kiss her by kneeling in front of him. Frère Branham dit si c'est ça la condition. But the Bible says if it is a condition. Je n'ai pas besoin de le voir. He said, now you cannot see in this way. Il viendra sous une vitrine. But you're gonna come upon the right tree. Et tu le verras depuis qu'il est là-bas sur son trône. And you're gonna saw him since his throne. Quand Frère Branham a regardé, when Brother Branham looked, le trône du pape était là. The throne of the pape was there. Il y avait une écrit qui était écrit. There was a scripture above him. Vicarus. Vicarus. Filidei. Filidei. Je dis à Branham. God said to Branham, vois ça. See that. Retiens ça. And keep it. Je t'enseignerai. I will teach you. Quand tu seras dans ton pays. When you're gonna be into your country. Et quand Frère Branham est arrivé dans son pays. And when you're gonna get in his country. L'ange dit Vicarus Filidei. The angel said Vicarus Filidei. Tirez une barre. Would draw a bar. Et commencez à identifier chaque lettre par le chiffre romain. And start to identify each letter by the Roman numbers. Et la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule. The Bible says let the one with the knowledge calculate. Et quand nous disons calcule, ça veut dire entre les deux chiffres on doit additionner. And when we say calculate between the two numbers, we must add. Et quand Frère Branham additionné, what would the Branham added? Ça donnait 666. It gave 666. C'est-à-dire, means le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Representant of the Son of God, and au lieu que ça soit le Saint-Esprit, instead of being the Holy Ghost, le pape s'est emparé de ça. The Pope took hold of it. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's why what the Branham said. Que le romain. That the Roman hierarchy. En commençant par le pape, starting on the pope himself, l'archevêque, the archbishop, l'évêque, the imp, le cardinal, the cardinal, le père, the father, l'abbé, the abbé, les ma sœur, oh, the, my sisters, le papa baptême, the father of baptism, c'est la marque de l'abbé. It's a priest mark. Il y a pas d'amen. What you say, man? You said the man of mark of the beast. And that same mark of the beast. Aujourd'hui a été transféré au pasteur de Pentecôtiste. To be transmitted to the Pentecostal pastor. Oh, tout le monde veut être archibishop. Everybody will be archibishop. Bishop, oui. Bishop, yes. Parce que bishop c'est un ancien. Because bishop is an elder. Mais archibishop. Archbishop. Ce n'est pas dans la Bible. It's not into the Bible. C'est pourquoi vous le voyez. That's why you say them. Maintenant ils sont en train de poudre de. The robe. Now they're making some robes. Avec des croix partout. With cross everywhere. Et ils commencent à porter des chapeaux papales. Starting to rock purple hat. Les autres ont déjà des cannes. Oh, they're holding some scarves. Ce sont les papes protestantes, les papes pentecôtistes, les papes des groupes de prière, les groupes éveillés. They are protestant Catholic of a rich group power. Il y a même les femmes. Starting wearing those outfits. Ça ne leur fera pas la différence. Won't make any difference. C'est pourquoi mes amis. That's why my friends. Voilà votre pape. Here are your pope. Et Frère Branham dit. And Brother Branham said. Que le pape ne serait pas dans le millénium. That the pope won't be into the millennium. Si vous croyez cela, dites amen. Say amen. Et moi je vous dis aujourd'hui qu'il n'entrerait pas dans le millénium. And I'll tell you today that will not enter into the millennium. Voulez-vous entendre celui qui n'entrera pas dans le millénium? Here will not enter into the millennium. Tous les prophètes, all the prophets, faux prophètes, false prophets, qui ont rempli la terre, who filled the earth, avec des fausses prophéties, with false prophecies.
Je vais vous dévoiler ces dernières prophéties. Je termine. I'm gonna reveal all the prophecies. I'm gonna close up by that. Sir, sister, tu as un problème. You have a trouble. Oh my. Celui qui te mange le corps. The one eating your body. C'est ta tante. It's your auntie. Tu veux une délivrance spéciale. You want a special delivery. Avec la grande onction. With the great anointing. Bien avec la petite onction. Oh, with the small anointing. Avec la grande onction, c'est 200 000. With the great anointing, it's 200,000. Avec la petite onction, c'est 50 000. With the small anointing, it's 50,000. Mais quelqu'un qui fait la délivrance. But someone who wants the delivery. Il aura besoin de la grande et de faire la délivrance. He will have need a great delivery. Il y a celui qui a quelque côté voleur. Then the one who wants to move. Voilà. Celui qui te tue. The one killing you. Ce sont tes tantes. Are your aunties. Écoutez-moi bien. Listen closely to me. C'est faux. It's false. Pourquoi c'est faux? Why it is false? Je n'ai pas besoin d'un Dieu. I do not need a God. Qui peut me révéler celui qui me fait du mal? You can only reveal the one hurting me. Mais qui est incapable de me délivrer? Ça là, je n'accepte pas ça. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. What I'm telling you is the truth. Il n'y a pas une maladie que Dieu peut délivrer, qui ne peut pas délivrer, qui ne peut te voiler et ne pas délivrer. There is no sickness God can reveal and not set free. Et ces esprits-là sont rentrés même dans le message. And those spirits entered into the message. J'entends un amen devant. I heard amen. On passe une réunion, tous, c'est la prophétie, tous, les prophéties, tous. Speeches and meaning is always prophesizing everything prophecy. La prophétie ne changera pas quelqu'un. I thought the prophecy will not change someone. Et les gens aiment la prophétie. C'est la prophétie. And the people like such churches, us, we are prophecies. Vous allez dans la tribulation. You'll go into tribulation. Non, il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? On va passer dans la voiture. Passe mon cinq stars. On va aller là. I'm gonna go there. Vas-y. Go. Et vous ne verrez pas le passer mon cinq direct pour dire, sœur, reviens. You want to pass mon cinq beyond? You say, sister, come back. Moi, le temps de doloter les croyants est terminé. For me, the time to see this believer is over. Ceux qui sont les miens. Those who belongs to me. Là juste dans l'église. We remain there till the rapture. Ceux qui ne sont pas des miens. Those who don't belong to me. Ils vont partir. Gonna leave. Je veux votre amen. I want your amen. Je ne voudrais pas nourrir les brebis qui ne sont pas les miens. I won't feed the sheep who not belong to me. Et ce sont ces gens qui causent des problèmes au pasteur. And those are the kind of sheep causing trouble to the pastors. Si vous voulez la parole. If you want the word. Le surnaturel. Who are supernatural? Mais le Saint-Esprit. You are the Holy Ghost. Derrière les passants. The other person is saying, et nous arriverons. Hey, we will get there. C'est pourquoi je ne vole pas avec un seul aile surnaturel, délivrance, guérison, miracle. Non. That's why I don't fly with an angle supernatural delivery. We will go for it. Le Kiri. We have a clean girl. La parole. The word. La délivrance. The delivery. La guérison. The healing. Le surnaturel. The supernatural. L'enseignement. The preaching. Est-ce que tu peux dire alléluia? Chantez alléluia! Oh, chante! Today! Qui sont les gens qui vont passer dans la tribulation? Without the people who will go to tribulation. Je voudrais que quand notez, vous allez à la maison lire ça. No, you're gonna go home and read it. Galates 5, 6. Galates 5, 6. Tous ceux qui sont là. All who are there. Ce sont les gens qui vont aller dans la tribulation. How the people will go into tribulation. Et vous lirez aussi. And we read also. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Les caractéristiques que tu vois du temps de la fin là. Characteristics of the time of the end. Les gens qui ont ça. The people who have it. Ce sont les gens qui vont aller dans la tribulation. How the people will go into tribulation. Les ivrognes. The drinker. Les débauchés. Les fornicateurs, the fornicator, les infidèles, the faithful, les dictateurs, dictators, les voleurs, the robbers,
des sorciers, des sorcerers, des femmes en pantalon, des gens qui maltraitent les saints, les chefs militaires, military chiefs, les fumeurs, les smokers, les généraux, les lieutenants, les colonels, les présidents et les rois, president and kings, les buveurs, drinkers, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, le pape et les évêques, les pasteurs pour le camp, les pasteurs adultères, les pasteurs violeurs, les femmes prédicateurs, les faux prophètes, les fausses prophétesses, les gens égoïstes. Les catholiques, les catholiques, les francs-maçons, les freemasons, les rosicrétiens, les rosicrétiens, tous, all of them, tribulation, tribulation. Amen. N'est pas d'amen? Don't you say amen? Sans exception. With no exception. Oh, moi, je suis bouddhiste. Oh, I am from Britain. Tribulation, tribulation. Oh, moi, j'ai le jobie. Oh, yeah. I have the jobie, stop your sudden. Tribulation, tribulation. Et ceux qui viennent à l'église la nuit partent danser dans le. And those going to the church by night going to dance into the club. Elle la sœur déguisée. Or the sister disguised. Tribulation. Tribulation. Il n'y a pas d'amen. Don't you see, amen? Ceux qui maltraitent les saints. Those who treat the saints. Vous êtes ici. You are here. Sous mission. Under mission. De perturber les frères. To trouble the brothers. Les sœurs. The sisters. Avec votre petite sorcellerie, with your small witchcraft, vous irez dans la tribulation. You'll go into tribulation. Attendez. Wait for. Il y aura des sauterelles avec des dents comme les dents du lion. We have locusts with teeth like the teeth of the lion. Ils vont bien te gratter la tête. We'll smash your head. Avec la piqûre de scorpion. With the sting of scorpion. Et vous serez brûlés par le feu qui vient du ciel. And you're gonna be burned by the fire coming from the heaven. Regardez-moi bien. Look me well. Gérez le matériel. Vas-y. And manage the ghost. Go ahead. Je vous attends au carrefour. God is waiting for you to the world gateway. Même si vous cherchez la mort. Even if you search for death. La mort n'arrivera pas. Death won't come. Va vous cacher sous le bunker. You're gonna be hard into some bunker. Et je veux que les gens qui écoutent ce message à travers moi m'écoutent. I hope people listen to it and listen to me. Moi je suis président. I am president. J'ai un bunker. I have a bunker. Si on m'attaque ici. If I've been attacked, je vais me cacher là-bas. I'm gonna go hide under. Attendez. Wait for. Ce bunker là. That's bunker. Dieu va le sauter. God's gonna make him bunker. Il y aura la chaleur qui va traverser même les bétons. We have the heat gonna cross the cement. La Bible dit au temps de la fin. And the Bible said to the end time. Il y aura le tremblement de terre. We have the earthquake. Tremblement de terre. The earthquake. Il y aura les inondations. We have the flood. Il y aura la famine. We have starvation. Il y aura la terre. We have wars. Et il y aura les soulèvements. And also the upstart. Amen. You won't see the entire world until it hops right. Dites, c'est la parole de notre époux. Say it's the word of a bridegroom. La Bible dit que la détresse sera tellement grande. And the Bible said the distress was so great. Et le chant rend le cœur de cœur. And the people rend the heart. À cause de la peur. Because of the fear. Et frère Barnum appelle ça les maladies cardiaques. And Brother Brown called that ACC. Il y aura des maladies que les sciences ne peuvent pas guérir. The disease that the cells cannot heal. Le cancer est là. The cancer is dead. Infection pulmonaire. The pulmonary liver infection. Le sida. AIDS. Et j'ai dans mon téléphone une autre maladie qui vient d'apparaître là. And I have on my phone a disease who just appeared. Qui donne les boutons partout dans le corps. Giving some dots or everywhere into the body. Et les gros boutons comme ça. And big dots like this. Je dis gloire à Dieu. I say glory to God. Ça, ce sont les plaies de l'Égypte. They are the plaies of Egypt. Hein? Vous me suivez? Are you following me? Avec tout ce qui va arriver. With everything gonna come. Vous préférez? You prefer. Sceller le cœur. To seal the heart. Avec les péchés inconfessés. With some unconfessed sin. Moi je vais, le Seigneur va m'aider. Oh, the Lord gonna help me out. Tous ceux qui pratiquent la masturbation va aller dans la tribulation. All practices masturbation will go into tribulation. Les violeurs. The robbers. Et aujourd'hui.
And today, il y a déjà des poupées. The holy house of dolls. Les poupées qui sont sorties, les poupées féminines. The feminine dolls. Et les poupées masculines. And the male dolls. Les poupées et dolls. Mais avec le sexe de l'homme. But with the man's sex. Alors la serve à chez eux. Then the sister gonna bar it. Pour se satisfaire. To please yourself. Vous irez dans la tribulation. You'll go into tribulation. Et ils ont fabriqué les poupées femelles. They made up the feminine dolls. Où l'homme peut aller avec la poupée. Where the man can have sex with the doll. Vous voyez ça? You see that? Le frère ne veut plus se marier pour aller acheter des poupées. The brother doesn't want to get married anymore to go and buy the dolls. Vous irez dans la tribulation. You'll go in tribulation. Achetez votre poupée, mettez dans ta chambre. Purchase the doll, put it in your home. Et allez-y vous satisfaire. And go and please yourself. Mais quand l'enlèvement aura lieu, but when the rapture is going to take place, tu vas rester. You're going to stay. Avec ta poupée. With your doll. Je ne sais pas où est-ce que les blancs nous amènent. I do not know where the white folks are leading us. Dieu a donné les hommes naturels. God gave reason to natural. Les blancs disent c'est pas bon. The white folks say it's not good. Il faut ajouter. You need to add. On ajoute les ongles. And we add the nails. On ajoute les dents. And we add the teeth. Maintenant les yeux que Dieu a donné c'est pas bon. Now the eyes God given is not good. Il faut mettre lentilles. You shall call the lentilles. Pour voir bien. To see well. Ah! Oh my. Vous nous amenez où? Where are you taking us? Si vous voulez être enlevé. If you want to be robbed. Revenez à la civilisation de Noé. Come back to Noah's civilization. Là où on doit fermer les yeux à tout ce qui n'est pas la parole. Why we shall close the eyes of everything is not the word. Je veux un amen. I want an amen. Les égoïstes. The selfish. Tribulation. Tribulation. Hein? Isn't so? Les menteurs. The liars. Tribulation. Tribulation. Cupid. The cupid ones. Tribulation. Tribulation. It's okay. And the proud. Tribulation. Tribulation. Y a pas de même? Don't you say amen? Les ravisseuses de mari d'autrui. The rather your angel husband. Tribulation. Tribulation. Hein? Isn't so? Et les frères qui gardent les païens dans leur maison. And the brother keeping the pagan into their home. Tribulation. Tribulation. Et le sœur. And the sister. Qui a brigade. Who stake as prisoners. Les maris. The husbands. Tribulation. Tribulation. Vous pouvez tromper le pasteur. You can mislead the pastor. La tribulation vous attrapera. Tribulation wait for you. Vous allez vous échapper comment? How are you going to escape? Alors tout le fin du mois. All the end of the month. On fait le fouille dans les poches du mari pour voler. When he shoves into the husband's pocket to steal the money. Même l'argent de la dîme volé par une sœur. Even the money of the dam stolen by his sister. Vous allez entrer comment? How are you going to enter? Je vois que tout le monde est KO. And I believe everybody is KO, knocked out. Là, on a besoin de gens. Comme celui que Jésus a dit, voilà un Gabonais à qui il n'y a pas de faute. Now we need people like Jesus said, it is a Gabonais whom there is no fault. Est-ce que Dieu peut-il vous rendre un témoignage comme ça? Can God give you such a testimony? Vous faites un travail avec un frère, tout le monde est là, frère, on fait un travail, frère, quand ça tombe là. Doing a job with a brother, brother we're going together, but when the money comes down, 10 billion. 10 billion. Frère, brother, c'est moi qui ai l'agrément. It's I who get the license. Je te paye, frère. I'm gonna pay, brother. Ah, how come? Me payer. Pay me. Ah, si tu ne prends pas, c'est ton problème. If you not take, it's up to you. Mais si tu m'emmènes chez le pasteur. You know, if you take me to the pastor, il va me faire quoi? What's he gonna do to me? Frère, brothers, faites attention. Pay attention. Votre pasteur. Your
pastor. It's your angel. It's the truth. So the people who enter heaven by grace, then under the spiritual covenant are made pleased by God. A brother at Mwanda, or it's a sister. I get their pastor. There is a man who's going to marry me. It's a pagan. Brother Branham said, in no case at all. No! I know. With the message. When will have a husband? He said, if it's the will of God, you're going to get married. If it's not, you're going to enter heaven. No. No. She told a man. I was listening to a man coming with a short, a big eye, truly full of muscle. Knocking on door, they enter. It's you, Pastor Mosengo? I say it's I. And I stood. And I stood from the chair. And I put aside, one aside. I said, it's I, Pastor Mosengo. Look at there is so a heart. Hallelujah! You know what is now? He greet me. He greet me. I greet him and I shake his hand. Pastor. He said, Pastor. Excuse me to come this way. Started to come now. Say, okay. So I love the sister. I say, you are a pagan. And a pagan doesn't love a sister. So how to say it's not your daughter? It's not your daughter of yours. I say, it's my daughter. I have a spiritual father. So I'm going to make an altar of church. I say, if you do so, God will take care of you. And he did it. 2 weeks later, look at the feet. How big. He came to the church. Pastor, what is it? What you say is fulfilled. I didn't get out this one time. So what do you want? Pray for me. Get out my office. Get out my office, you. I'm not going to pray for you. Yes, sir. God took care of him. The thing that's going to kill you is the marriage. Thank you very much. May the Lord bless you all. Mais pendez-vous. Que me serait-il arrivé? Littéralement, Seigneur. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Le dimanche du courant, nous prêchons sur la terre de Marquedon. Je serai comme un bateau.